Alors, j'ai fondé Alepia en 2004, donc ça va faire 17 ans. Et j'ai commencé par la commercialisation du savon d'Alep. Le savon d'Alep, c'est le plus vieux savon au monde, qui a été créé il y a 3000 ans. Et je l'ai importé de Syrie pour le commercialiser en France. La savonnerie est située à Saint-Denis, dans le Val-de-Marne. Et nous produisons sur place, tous les ans, 500 tonnes de savon. Aujourd'hui, la société comporte 30 personnes. Les marchés, c'est essentiellement la France d'abord, avant tout, avec 65% de l'activité en France. Les clients, c'est sur Internet. Alors, soit ce sont nos propres clients qui achètent sur le site, soit ce sont des revendeurs qui vendent eux-mêmes sur Internet. On a aussi une activité au niveau des pharmacies et des magasins bio, puisque, étant médecin, j'ai favorisé au départ le développement en pharmacie. Mais aussi, on a développé autour du savon d'Alep toute une gamme de produits. Donc, le savon d'Alep liquide, les shampoings, les gels douche. Donc, on a élargi la gamme à beaucoup de produits naturels et bio. Nous avons maintenant d'autres axes de développement à l'export. C'est notamment l'Asie, où nous sommes présents dans pratiquement tous les pays en Asie, et aussi l'Amérique du Nord. Pour augmenter nos ventes à l'export, nous avons embauché une personne qui est dédiée à l'export et qui va renforcer le partenariat avec nos distributeurs qui vont devenir distributeurs exclusifs.